Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle série de 24 émissions sur une page d'histoire. Pour la première, nous profitons de cette première émission pour vous faire connaître un homme qui mérite d'être connu, M. Cléophas Adams Robbenheimer. Pour nous en parler, j'ai invité M. Nelson Fecteau. Bonjour, M. Fecteau. Bonjour, M. Tanguay. M. Fecteau, quel lien avez-vous avec Cléophas Adams Robbenheimer? Moi, je suis le petit-fils de Cléophas Adams Robbenheimer. Ma mère était Marie-Marthe Adams Robbenheimer, la huitième d'une famille de 16 enfants, 9 filles et 7 garçons. Robbenheimer n'a rien de français. Quelles sont ses origines? Alors, Robbenheimer, c'est un patronyme, un nom de famille d'origine allemande. Et ça date de 1770 aux environs. Alors que André Adam Robbenheimer s'est amené au Québec. C'est le premier de la lignée à venir s'établir au Québec. Il faisait partie du corps des chasseurs à pied de S-Anneau qui était venu ici dans le cadre de la Révolution américaine. C'était un corps ou un régiment d'armée qui était commandé par Karl von Creusbourg. Alors, c'était vraiment des Allemands de souche. Et comme je vous le disais, André Adam Robbenheimer est arrivé ici en 1777. Et la moitié des hommes de ce corps de chasseurs est demeuré au Québec après la guerre, là, après la Révolution américaine. Puis ça venait du fait que ces gens-là avaient été recrutés dans les forêts en Allemagne. Et quand ils sont arrivés au Québec, ils se sont retrouvés en pays de connaissance. Puis le mode de vie des Indiens, le mode de vie des Québécois ou des Canadiens d'alors leur convenait. Alors, ils sont installés ici. Alors, de là vient le patronyme là, allemand. Pourquoi ces mercenaires allemands sont venus au Canada? Ça, c'est une bien longue histoire. On va la raccourcir, mais ce sont 30 000 mercenaires qui sont amenés ici dans les années 75, 76, 77. Et c'est à la suite du mécontentement de ceux qui vont devenir les Américains, c'est-à-dire les gens des colonies britanniques aux États-Unis ou en Nouvelle-Angleterre. Alors, ils étaient mécontents de la situation. Les Anglais avaient conquis la Nouvelle-France en 1760, avaient signé l'acte de Québec en 1763, plutôt en 1774, et donnaient des droits aux Québécois que les Américains auraient bien voulu avoir. Les taxes étaient toujours de plus en plus lourdes du côté des Américains imposées par la mère patrie. Or, il y a eu le 6 décembre 1773, le fameux Boston Tea Party, où on avait acheté à la mer 340 caisses de thé, et ça représentait des pertes de 100 000 livres à ce moment-là. Or, le roi d'Angleterre, qui était George III, en a eu assez. Il a dit, ces 13 colonies-là sont en rébellion. On va aller faire un tour du côté des colonies et on va aller tempérer leurs ardeurs. Sauf que l'Angleterre sortait de la guerre de 7 ans. L'Angleterre était très riche, avait une flotte très puissante, très, très importante, mais on manquait d'effectifs. Alors, George III s'est tourné vers sa cousine, parce que là, on va voir qu'il y a toutes sortes d'alliances, hein, puis au niveau des royautés en Europe, là. Alors, il s'est tourné vers sa cousine Catherine de Russie pour lui demander de l'aide. Alors, on a failli être de descendance russe, finalement, et elle a refusé. Il s'est retourné vers la Hollande. La Hollande a dit oui, mais à condition que nos soldats restent en Europe. Alors, c'était pas en Europe qu'il y avait besoin, c'était ici. En Allemagne, il y avait 300 principautés. Alors, c'était des petits territoires qui étaient, disons, régis par des princes qui avaient des armées et qui avaient besoin d'argent. Alors, c'est à partir de ce moment-là que les Allemands se sont amenés ici. Et quand on parle de S-Anneau, c'est une des principautés qui a fourni des soldats. On payait le prince pour tant du soldat. On payait également le rapatriement s'ils étaient blessés. Alors, c'était toute une convention, tout un contrat
De là vient le mot mercenaire aussi. On vendait les services des soldats. Pour revenir à Cléophas Adams, parlez-nous un peu de son enfance. Bien, on en sait peu de choses, finalement, mais à tout le moins, ce qu'on en sait, c'est qu'il est de la cinquième génération, à la suite d'André Adam Robbenheimer. Il est né le 5 février 1896 à Sacré-Cœur-de-Marie. Si vous allez faire une petite promenade dans le cimetière de Sacré-Cœur-de-Marie, vous allez voir qu'il y a plusieurs épitaphes où il y a des Adams Robbenheimer qui sont inhumés à cet endroit-là. Il était le fils de Léandre Adams Robbenheimer et d'Obéline Fillion. Il a fait ses études au Collège de La Salle, ici, tout près. Puis il est décédé le 22 janvier 1946. Alors, il est décédé le 22 janvier 1946 et moi, je suis né le 30 mai 1946. Alors, j'ai pas eu l'occasion. C'est un grand-père que j'ai pas connu. Ma mère a souvent dit « Mon père est décédé trop vite parce qu'il est décédé à 49 ans. » Moi, je pourrais dire que je regrette de ne pas avoir connu ce grand-père-là. Ah oui. Il a fait la rencontre de Marie Anna Garand. Savez-vous dans quelles circonstances ils se sont rencontrés? Malheureusement, non. Et ça semble tout à fait là, ordinaire comme rencontre, dans le sens qu'il n'y a pas eu d'occasion particulière. Alors, c'est Marie-Anne Garand. Elle est née, ou plutôt, ils se sont épousés le 22 avril 1915. C'était la fille de Louis Garand et de Marie-Anne Gagnon. Ils ont eu une belle famille, comme à l'époque, d'ailleurs. Ouais. Alors, 16 enfants, 9 filles, 7 garçons. 6 sont toujours vivants. Il reste un garçon, André, du nom du premier ancêtre, et 5 filles, Monique, Gabrielle, Bernadette, Thérèse et Noëlla. Cléophas Adams est relativement jeune quand il s'intéresse aux unions ouvrières. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors quand on regarde ses premières implications, ça date de 1919. Alors, si on fait le décompte, il avait à ce moment-là 23 ans. Et on sait qu'il a travaillé dans les mines d'amiante, à tout le moins, en tout cas, de 1916 à 1922. Il a travaillé particulièrement à la mine Bell, entre autres. Et il a travaillé aussi dans la région de Vimy, parce qu'on retrouve dans les listes de paie son nom là, dans ces endroits-là. Et en 1919, donc, il s'est impliqué dans les syndicats ouvriers. Il a été vice-président, puis secrétaire de l'Union nationale des mineurs d'amiante. Alors, évidemment, c'est à cette époque-là, ça commence à bouger les syndicats, les unions syndicales. Et il y a aussi beaucoup de gens qui veulent adhérer à ce qu'on appelait à l'époque l'Internationale, qui était aussi un syndicat, mais qui n'était pas catholique. Et du côté de Cléophas Adams, on va y aller plutôt du côté des unions catholiques. On va le voir participer à plusieurs congrès ouvriers, entre autres à Hull, aux Trois-Rivières, à Chicoutimi. Il va régler des grèves aussi. C'est surprenant parce que malgré son jeune âge, là, à 23 ans, on dit qu'il va régler des grèves à Granby. J'aurais voulu trouver des informations sur ce qu'on pouvait régler de grève à Granby parce que c'était sûrement pas des mineurs de l'amiante. Et à Asbestos, où justement il a participé à la formation d'un syndicat de travailleurs des mines d'amiante. Et comme je le mentionnais, il a travaillé dans les mines d'amiante de 1916 à 1922 pour ensuite bifurquer. Là, il a été commis épicier, puis ensuite il a bifurqué vers le travail de journaliste. Il a touché un peu à tout, en fin de compte, avant de... C'est surprenant. Moi, en tout cas, quand je regarde le cheminement qu'il a fait, là, effectivement, ça a été un touche-à-tout. Quelqu'un qui s'intéressait à beaucoup de choses, puis qui semblait, le moins qu'on puisse dire, sûr de ses moyens. Puis il y avait des convictions, puis il allait au bout de ses convictions. Oui. Puis moi, en tout cas, ce qui m'a surpris, c'est justement cette propension qu'il avait à défendre les ouvriers.
J'aurais plutôt cru qu'il se serait retrouvé du côté des intellectuels. Mmh, ouais. Mais effectivement, non. C'était le côté des ouvriers. Puis une anecdote peut-être, là, on va aller un petit peu plus loin, à l'époque où il y avait le mégantique. Il était propriétaire du mégantique avec le notaire Dumais la première année. C'était pas le bonheur total parce qu'il y avait toujours deux versions officielles dans le mégantique. Il y en a une qui était signée par Cléophas Adams qui signait un ouvrier et M. Dumais signait un autre ouvrier. Alors, c'était un peu spécial. Oui. Après les unions ouvrières, c'est tourné vers le journalisme. Bien, vous parliez justement là, du mégantique. Là. Oui. Est-ce que c'était le premier, son premier journal aussi? En fait? Non. Il avait débuté au Canadien en 1922 avec M. Alfred Frenette. Et les deux hommes se sont, je pense, frottés un petit peu. Ils n'étaient pas toujours du même avis. M. Frenette était, semble-t-il, quelqu'un de conservateur. Je ne parle pas dans les termes politiques. Là, mais c'était quelqu'un de conservateur, alors que Cléophas Adams avait des idées, lui, plus progressistes et plus libérales. Et le mariage n'a pas duré longtemps. Alors, en 1925, en septembre 1925, il a fondé le Mégantique avec le notaire Dumais. Et aussitôt qu'en 1926, ça ne fonctionnait plus non plus avec le notaire Dumais. Alors, il est devenu l'unique propriétaire du journal Le Mégantique. Puis là, il faisait tout. Il rédigeait les textes, il vendait la publicité, il vendait les abonnements. C'était vraiment lui qui dirigeait tout. Alors, quand on regarde ça, moi, j'ai l'impression que c'était pas toujours nécessairement un homme facile à vivre parce que quand on regarde le cheminement, là, il y avait des convictions et il y avait ses idées à lui, puis il les a menées au bout. Il y avait un bon caractère, je pense, parce que sans que vous l'ayez connu, on voit là, que s'il y a eu de la misère à s'entendre avec deux personnes, bien, on ne sait pas le caractère des deux autres personnes non plus, on ne peut pas présumer, là, mais à un moment donné, il faut que tu t'entends avec un, puis l'autre, moins peut-être. Là, il y a des atomes crochus qui s'établissent. Mais avec ces deux personnes-là, en tout cas, ça n'avait pas fonctionné tout le temps. Moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait du caractère. Malgré ses nombreuses occupations, il a trouvé le temps de publier un volume sur la ville de Thetford. Oui, alors c'est un volume qui a été publié en 1929, qui a pour titre « Historique et biographie ». Ça a été publié à l'occasion de fêtes particulières du curé Sauvageau, les noces sacerdotales d'argent du curé Sauvageau. On a fait correspondre avec ça, puis moi j'ai vérifié, puis les dates, on a étiré la sauce un petit peu. On disait que c'était aussi à l'occasion du 50e anniversaire de fondation de Thetford, puis du 50e anniversaire de la découverte de l'amiante. Et on sait que la découverte de l'amiante, c'est en 1876, alors ça donnait 1926. Là, c'est publié en 1929, alors on a étiré un petit peu les choses. Mais effectivement, ça a été publié à l'occasion des fêtes des 12, 13 et 14 mai 1929. C'était en fait le deuxième historique parce que, et il l'a dit lui-même en préface, il dit qu'il s'est servi du premier historique qui avait été écrit par l'abbé Alphonse Legendre, qui allait, je pense, jusqu'à 1910 ou quelque chose comme ça. Et il s'en est servi comme point de départ, puis ensuite, il s'est rendu jusqu'à 1929. Parce qu'on retrouve beaucoup de sujets dans ce volume-là. J'ai eu l'occasion de le feuilleter, là. Il parle, il y a beaucoup des éphémérides aussi qui fait mention dedans. Oui, c'est surtout de cette façon-là, c'est un peu la forme des éphémérides qu'il a utilisée. Puis l'écriture journalistique également, puisque bon, il était journaliste, alors c'est ce qu'il a utilisé comme écriture. Puis je pense que c'est un bon point de référence. Sur le plan historique, ce n'est pas nécessairement très scientifique, mais c'est à tout le moins de la petite histoire puis des informations qu'on a de cette époque-là qu'on n'aurait pas eu autrement, sinon que de feuilleter une multitude de journaux. Et là, bon, là, dans le volume en question.
Oui, parce que je peux vous dire qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Moi, j'ai eu l'occasion de l'utiliser dans mes recherches, puis c'est très... Puis ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a pas personne qui a continué, après 1929, à avoir les mêmes petits détails, même des choses qu'on trouve dans le volume, qui aujourd'hui, il faudrait feuilleter les journaux, comme vous avez dit, ouais. Pour trouver ces détails-là. Mais que lui avait fait là, jusqu'en 1929. C'est ça, parce qu'on partait de faits divers et on partait de nouvelles là, journalistiques pour faire le volume en question. Et passé 1929, passé la publication, ouais. Ben, on n'a rien d'autre. Il y a aussi d'autres sources d'informations qu'on retrouve là-dedans. Il y a de bonnes biographies sur des gens importants de l'époque. Puis également aussi, quand on regarde la publicité qui est là-dedans, ça nous donne une image de ce qu'était le commerce et les affaires à Thetford dans les années en question. Oui, parce que ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a... C'est ça, on retrouve les publicités, on retrouve les biographies. Il parle des commissions scolaires, il parle des paroisses, la fondation de Saint-Maurice. Il parle, puis il donne des détails, qui étaient les chevins, qui étaient maires. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de renseignements, puis des choses, il y a des anecdotes aussi qu'on retrouve là-dedans, à un moment donné. Là. Exactement. Surtout des choses de décès. Ou quand, ouais. Quand il dit, moi, je trouve ça amusant un peu, quand on dit un vénérable personne âgée, est décédé, monsieur, un tel âgé de 62 ans, tu sais, comme si à 62 ans, aujourd'hui, 62 ans, c'est jeune. Merci. C'est ça. Oui, c'est effectivement, puis c'est le langage de l'époque, ouais. Hein, et c'est savoureux, là, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus utiliser un langage semblable, parce qu'on vise l'objectivité, puis à l'époque, tu sais, ouais. on y allait avec des qualificatifs qui étaient des fois un peu pompeux, là, ouais. Mais... C'était la façon de faire. Telle dame est partie visiter son frère à Québec, toujours. Ah, on avait beaucoup de choses semblables. Beaucoup de choses comme ça qui étaient très... C'est ça que tu... Monsieur Tel a passé la dernière semaine à Lewiston. Et, bon, puis à l'inverse, on avait reçu la visite de... Alors, c'était vraiment la façon de voir. C'est comme vous dites, aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire parce que la même personne qui irait passer une semaine à Lewiston... serait peut-être pas son conjoint serait peut-être pas au courant qu'il est allé passer une semaine à Louis. Aujourd'hui, il ne serait peut-être pas d'accord parce que dans ce temps-là, c'était ouais. Plus... Effectivement. Ouais. Alors, ça a été, je pense que ça a été un travail de compilation assez important. Par contre, comme il travaillait déjà dans le domaine de l'information, ben, c'était des informations qu'il avait regroupées, colligées au fil des ans. Oui, puis il faut le dire que ça s'était fait, c'était fait avec la machine à écrire, là, puis c'était pas comme aujourd'hui, là, tu sais, avec l'ordinateur, tu peux garder ce que tu fais, puis là, c'était avec la machine à écrire. C'est puis... ça, la Remington à talons hauts. Et petite anecdote, je l'avais gardée pour la fin, mais on peut en parler tout de suite. Mon grand-père tapait la dactylo avec deux doigts. Et apparemment qu'il allait à une vitesse assez vertigineuse, mais avec deux doigts. Alors, ça fait que pour faire le volume qu'il a fait, là, puis pas se tromper non plus, là, tu sais, d'être sur les frappes. Aujourd'hui, on se trompe, on corrige, puis il n'y a pas de problème. Là, mais avec la machine à écrire, là, c'était un exploit là, de faire un volume comme ça en 1929. Oui, effectivement. Ah, oui. Ouais. Il était très impliqué au sein de plusieurs organismes. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-unes? C'est fantastique de voir ça, moi, je trouve. Quelqu'un d'abord d'un si jeune âge, là, décédé à 49 ans. Je ne sais pas où il prenait son temps. C'est sûr qu'on disait que c'était un couche-tard et un lève-tôt, mais je ne sais pas où il prenait tout son temps. Il a été maître chante à l'église Saint-Alphonse. Il chantait dans la chorale depuis 1914 et ensuite il est devenu maître chante. C'était un ténor apprécié. Et d'ailleurs, toute la famille Adams-Robbenheimer avait des talents particuliers de ce côté-là. Les gens de cette époque pourraient en témoigner. Il a fait partie du cercle d'études de Pionce, fait partie du cercle dramatique, fait partie de l'œuvre de la jeunesse. Il a fondé le Radio Club de Thetford et a été président. Il est membre fondateur de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Alphonse, a fait partie du club Rotary, a fait partie du club des Chevaliers de Colomb. Et quand il s'impliquait quelque part, c'était pas des demi-mesures, il s'impliquait à fond. Et c'est curieux parce que partout où on trouvait l'abbé Pierre Gravel, on retrouvait Cléophas Adams-Robbenheimer.
ça semblait être un tandem, qui est indissociable presque. Sauf que on m'a raconté qu'il arrivait très souvent qu'il y avait des prises de bec, des arguments relativement sérieux entre les deux hommes. C'était deux hommes de caractère. L'abbé Pierre Gravel était un homme de caractère qui avait, écrit beaucoup de discours, beaucoup de sermons, au-delà de 3 000-4 000, je pense. Et finalement, il avait été rappelé par l'Église. On l'a tassé un petit peu, là, parce qu'il commençait à être dérangeant. Et en tout cas, ça donne une idée du travail qui se faisait à cette époque-là. C'est peut-être pour ça un peu qu'il y avait quelques atomes crochus avec Cléophas. Ceci était un peu... Bien, c'est, comme vous dites, il a fait beaucoup de sermons qu'il a fait. C'est son caractère, vraiment, parce que, comme on l'a vu tantôt, il s'est pas entendu avec ses deux associés pour les journaux. Mais il y avait peut-être un respect aussi pour l'homme de l'Église. Oui, probablement parce qu'à l'époque... Exactement. Puis peut-être les agissements ce que l'abbé Pierre Gravel faisait, ça l'inspirait peut-être aussi, là, plus que les autres. Puis il faut dire qu'il y avait sûrement des points communs, parce que les deux avaient à cœur la défense des ouvriers, puis les deux étaient profondément religieux. Alors, je pense que ça les réunissait, ça les rejoignait. Vous avez parlé des organismes qui a fondé. Est-ce qu'il y en a qui existent encore aujourd'hui ou ça a été... Quand on parle de la Société Saint-Vincent-de-Paul, ça existe toujours. Il était membre fondateur de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Il a été président fondateur du Radio Club de Thetford. Ça n'existe plus. Ouais. Mais au niveau du club Rotary des Chevaliers de Colomb, ce sont des clubs de service qui existent toujours. Alors, sans avoir été le fondateur, il faisait partie des premiers groupes là, qui ont fondé ces clubs-là. Okay. On peut dire qu'il y a laissé sa marque là, dans plusieurs... ce qui existe encore aujourd'hui, que les gens connaissent. Oui, effectivement. Mais qui ne savent pas qu'il était, à l'origine de ces clubs-là. Oui. Malgré qu'il soit décédé relativement jeune, comme vous avez dit, à 49 ans, votre mère, vos oncles, vos tantes ont dû vous raconter différents souvenirs concernant leur père. Oui, il y a des choses qui sont savoureuses, dans le fond. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des quêteux, il y avait des gens qui étaient dans la misère, et il n'existait pas d'organisme vraiment pour leur venir en aide. Alors, c'était des familles qui prenaient soin d'eux. Et il y avait un quêteux. Je vais nommer le nom de famille, ça ne blessera pas personne, parce que c'était un monsieur Maheu, de ce que je me souviens. Et à chaque jour, il se rendait chez Cléophas Adams Robbenheimer, qui lui donnait 5 sous et un bon de lait. Et ça, c'était à tous les jours. Et M. Maheu avait un respect incommensurable pour Cléophas Adams Robbenheimer. Et moi, je me souviens, j'étais très jeune, là, je devais avoir une dizaine d'années, lors du mariage de l'une de mes tantes, le quêteux en question, M. Maheu, était présent au mariage. On parlait tantôt du fait qu'il tapait à la dactylo à deux doigts, et il semblait qu'il allait avec une vitesse vertigineuse. C'était quelqu'un qui se couchait très tard le soir, forcément, s'il voulait tout faire son travail, et qui se levait très tôt le matin, parce qu'il chantait les messes. Alors, le matin, il chantait 4-5 messes à tous les matins. Donc, ça veut dire qu'il était à l'église probablement 5h30, 6h, et pour commencer la journée. C'était un homme qui était d'une énergie inépuisable, puis il y avait une grande diversité d'intérêts aussi. On le retrouve impliqué un peu partout. Oui. Et des fois, on se dit, ça n'a pas de rapport les uns avec les autres. Puis c'est justement, il s'intéressait beaucoup à ces choses-là. Je vais faire plaisir aussi à un certain nombre de personnes. C'était un grand patriote. Il a fait partie des comités pour organiser les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste année après année. Et on dit que tout le monde portait la cocarde de bleu, blanc, rouge. C'était vraiment un homme qui était un patriote. Un homme de caractère qui savait défendre ses opinions aussi. Sur le plan de la famille, c'était quelqu'un qui était sévère. On dit juste, mais sévère. Moi, je me souviens de ma mère qui racontait que
quand ça brassait un peu dans la maison, vous savez, à 10, 12, 15 enfants, là, mmh. à un moment donné, ça brasse. Quand ça brassait un petit peu dans la maison, le père sortait du bureau et il semblait qu'il avait seulement à regarder par-dessus ses lunettes, juste jeter un regard, et c'était suffisant pour que on se calme. Et si ça ne l'était pas suffisant, il y avait un juron. Et quand il employait ce juron-là, ça voulait dire, là, c'est vraiment assez. Puis son juron, c'était blasphème. Quand il disait blasphème, là, c'était signe. On avait dépassé les bornes. Mais il reste que... On m'a toujours donné l'image d'un père là, qui était très généreux, très aimant, et puis qui était d'une grande générosité. Autre anecdote, peut-être, quand il allait négocier des contrats de publicité à Montréal, à Ottawa, à Québec, parce qu'il négociait de la publicité nationale, une fois que le contrat était signé, et il appelait son épouse, Marianne Garon, qui allait le retrouver pour 2-3 jours de vacances. Et il ramenait toujours des cadeaux à tout le monde pour souligner cet événement-là. Ouais. C'est un homme qui était très humain. Par tout ce que nous avait raconté, son implication dans différents domaines, comme on dit, qui se touche pas à rien, là, ça devait être ça un peu plus que les gens devaient apprécier de cet homme quand ceux qui l'ont pu le connaître là, quand il. Ouais, on dit qu'il était d'une très grande générosité, à tout le moins de son temps, oui. Quand on regarde là, tout ce qu'il a fait. Et il avait une santé chancelante là, à un moment donné, parce que c'était quelqu'un qui demeurait sur la rue Dubé. À l'époque, c'était la rue Mécra, devant l'ancienne école Saint-Georges. Et il voyageait à pied à son bureau, qui était situé au centre-ville, en haut de la Banque nationale. Et après avoir eu des problèmes d'ordre cardiaque, parce qu'il voyageait en bicycle, hein, et là, il a établi son bureau chez lui, pour éviter justement d'avoir à voyager. S'il s'était pas décédé à 49 ans, s'il avait vécu encore une trentaine d'années, il aurait fait encore plein de... Il aurait peut-être réalisé encore plein de choses qu'on pourrait parler encore pendant plus... On aurait pu faire peut-être 2 émissions, 3 émissions sur Cléophas Adams. Ah, peut-être, avec tout ce qu'il aurait réalisé s'il n'était pas mort si jeune. Parce que 24 heures, je pense qu'il devait trouver que c'était pas assez long, une journée. Là, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aurait voulu avoir des journées de 36 heures à l'occasion pour avoir le temps de tout faire. Puis effectivement, il aurait pu avoir de belles réalisations. Je pense qu'il il a transmis ça aussi à plusieurs membres de sa famille, parce que quand je regarde oncle et tante du côté maternel, là, c'est des gens qui sont déterminés, c'est des gens qui ont aimé beaucoup à s'impliquer. C'est des gens qui passent pas inaperçus dans le bon sens du mot. Ils sont très dynamiques, très actifs. Vous en savez quelque chose. Ouais. Vous les avez rencontrés lors du prix Cléophas Adams. Okay. Je m'excuse de vous couper, M. Fecteau, mais c'est tout le temps que nous avons. On aurait pu en jaser encore de votre grand-père. J'espère que les gens ont pu, grâce à ces missions, connaître un peu plus qui était Cléophas Adams. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, une page d'histoire.